J'aimerais savoir si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du Kawaii. Vous aussi, votre mère, elle vous a forcé à porter un Kawaii quand vous étiez petit. Vous savez, l'horrible Kawaii en matière chiffonnée, rouge, orange, bleu, vert, jaune, Twingo, vous savez. C'est l'horrible Kawaii avec la capuche du Kawaii. Que quand tu la mets, même si t'as bac plus 10, t'as l'air d'un bonnet. Mais qui c'est qu'il a inventé ce Kawaii? Faut l'enfermer, ce type-là. Je ne connais pas l'inventeur du Kawaii, mais ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas de cou. L'inventeur du Kawaii, il n'avait pas de cou, hein. Non, il avait la tête et direct les épaules, il était comme ça. Parce que quand tu tournes la tête en Kawaii, la tête, elle tourne, et pas la capuche. Tu sais, t'es là, t'as mis ton Kawaii, il pleut, t'as mis ta capuche, d'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, Dani? Ouais, quoi? Ah, c'était tout noir! C'était tout noir, je pouvais plus respirer! Ça va, Dani? M'appelle plus! M'appelle plus! Ou mets-toi devant! L'inventeur du Kawaii, la première fois qu'il a essayé son fameux Kawaii, il était là, comme ça, il le met, puis il fait « C'est bon, les gars, hein, on peut fabriquer, hein? Hein, y a pas de problème majeur, hein? » Et toute sa famille, « Ouais, c'est bon, on peut y aller, c'est bon. » Puis, il avait jamais passé non plus, ce Kawaii. Il a fait coudre les morceaux, il a fait fabriquer, il l'a jamais passé. Parce que le Kawaii, ça se passe par la tête. Il n'y a que par là que tu peux le mettre. C'est là, tu le déplies, tu commences à mettre le Kawaii qui descend comme ça, puis tu cherches les trous des bras. Puis en même temps, faudrait tirer comme ça pour le descendre jusqu'à la taille. Mais tu peux pas, t'as les bras qui cherchent les trous. Quand j'étais petit, j'ai tellement vu de gens galérer en train d'essayer de mettre leur Kawaii, j'étais sûr que c'était comme ça que ça se portait. Le bruit là, c'est la matière plastique qui rentre dans ta bouche quand tu essaies de respirer. Ouais. Au bout d'un moment, le cerveau a plus d'oxygène, tu sais même plus que t'es en train de mettre un Kawaii. Et quand on te retrouve, t'es à moitié mort. En fait, faut être deux pour mettre un Kawaii. Faut être deux minimum. Toi, tu le passes comme ça, tu commences à étouffer, puis derrière, il y a le deuxième qui tire un coup sec, ça... Enlève-le, j'ai trop chaud, enlève-le. Ouais, parce que t'as chaud à mort dans un Kawaii. Dans un Kawaii, tu sues à mort. C'est le principe du Kawaii. C'est imperméable, mais à l'intérieur, t'es tout trempé. L'inventeur du Kawaii, il se doutait pas qu'il allait faire des générations entières de traumatisés du Kawaii. On a tous eu un premier rendez-vous amoureux. Quelques gouttes de pluie. Maman qui dit, mais mets ton Kawaii! Non, c'est bon, maman, c'est bon. Il pleut pas. Eh ben, apprends-le au cas où il pleut! Et tu te trouves avec la grosse boule. La grosse boule et les deux élastiques multicolores. Hein, va faire une conquête amoureuse avec une grosse boule. Salut, ça va? Non, n'aie pas peur, c'est mon Kawaii, n'aie pas peur. Non, la grosse boule, c'est mon Kawaii. Je vais te montrer, n'aie pas peur. Non, attends. C'est justement dans cette boule que se crée la matière si spécifique au Kawaii. Le chiffonné du Kawaii. Parce que pour des raisons pratiques, le Kawaii se range dans sa propre poche de devant, retourné tout tassé à mort dedans. C'est génial comme idée, c'est un coup de génie. C'est une idée géniale. D'ailleurs, moi, depuis, dans mon dressing, tous mes costumes sont rangés dans leur poche. Hein. Quand je pars en voyage, c'est qu'un sac de boules de costumes. Hein. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai voulu avoir la grande classe en Kawaii. Je l'ai repassé. Ça se repasse pas. Ça fond. Et c'est un fer à repasser par Kawaii repassé. Tu sais, j'étais là comme ça. Ah, mais génial. Oh, il est plus chiffonné, génial. Ah, qu'est-ce qu'il est grand, mon Kawaii, dis donc. Mais c'est quelle taille. Ça faisait des fils comme ça, des fils, des gruyères. J'avais bousillé la table, le fer à repasser et mon Kawaii. Ma mère, elle a gueulé. Hein. Du coup, pour me punir, elle m'a forcé à le porter comme ça. Je me suis retrouvé avec deux élastiques multicolores et un gros chewing-gum dur. Enfin, on rigole. Mais le Kawaii peut s'avérer très dangereux. Je sais qu'on s'est tous retrouvés, tous ici, un jour, sous la pluie, en Kawaii, à vélo.
Quand t'es en caoué à vélo, tu pédales comme un dératé pour vite rentrer chez toi. Parce que ton caoué s'arrête là. T'as tout le bas qui est trempé. T'as tout le bas trempé froid, tout le haut trempé chaud. Merci, monsieur caoué. T'es là, tu pédales comme un dératé, t'es presque dans ta rue. Tu mets ton bras pour tourner dans ta rue. Tu tournes la tête pour voir s'il n'y a pas de voiture. Tu peux pas tourner la tête. Alors, tu refais un tour de pâté de maison. T'essaies comme tu peux. Tu peux pas tourner la tête. Alors il y a deux solutions. Soit tu tournes tout, et la tête, le caoué, le vélo, la capuche, tout. Et s'il y a une voiture, tu reviens fissa, hein. Et tu refais des tours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de voiture. Mais c'est un peu dangereux comme technique. Il y en a beaucoup qui sont pas rentrés chez eux tout de suite, hein. Sinon, il y a une deuxième technique que je préconise. C'est que avant de monter sur ton vélo sous la pluie, tu serres les cordons de ta capuche, mais à mort. Il y a la capuche qui se ferme comme ça. Et alors là, quand tu tournes la tête, le nez chauffe le bord de la capuche. Et la capuche, elle tourne. Mais attention. Attention. Il faut pas que le nez saute le cran. Parce que là, tu te retrouves dans le noir, en train d'étouffer. T'entends juste les voitures qui freinent pour essayer de t'éviter. T'essaies de choper le cordon comme un parachutiste qui sent que le sol va pas tarder. Et quand par miracle, t'arrives à arrêter ton vélo et à sortir de ta capuche, c'est toujours là que tu tombes sur la personne dont t'es fou amoureux. Ah, t'étais là? Non, on va changer une petite promenade en caoué. Tu veux pas m'aider? J'arrive pas à ouvrir ma capuche, je crois que le cordon est dans ma bouche. N'aie pas peur, je t'aime. Merci, monsieur caoué. Le caoué qui a donné son titre au spectacle de l'Olympia.